Yo les gens, c'est Razalan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée sur Ratchet & Clank pour mon let's play. Donc c'est l'épisode 7 et dans cet épisode 7 déjà j'ai plein de choses à vous dire. Alors la première chose c'est que on vient de m'informer qu'il y avait une carte. Je vais commencer par l'utiliser. On m'a beaucoup fait remarquer que j'avais une carte et que me voir galérer en essayant de découvrir la quête par moi-même, bah, c'était un peu gavant, donc maintenant je vais suivre les objectifs. Et donc ça m'emmène par là, donc on va sortir le swinger. Et on est parti. Voilà, donc déjà, première chose, cette vidéo devrait sortir après mes vacances, donc plutôt pendant mes vacances à Barcelone. Et par conséquent, donc là je l'enregistre avant, et devrait se situer pendant mes vacances. Et en fait, je me suis un petit peu mal débrouillé. Et en fait, le problème, c'est que... au niveau de l'upload, ça va coincer. Alors, soit je vous propose un épisode de 30 minutes, ou alors je vous en propose 3 de 15 minutes. Donc, je pense que le choix, il est plutôt vite fait. Hein. Je pense que je vais vous proposer 3 vidéos de 15 minutes. Tant pis si c'est plus court. Au moins, vous allez pouvoir en avoir un par semaine. Et par conséquent, avoir votre petite dose de Ratchet par semaine. Donc désolé, c'est le minimum que je puisse faire. Déjà, c'était imprévu. J'aurais dit normalement... ok, donc je vais récupérer les boulons et puis après je vais activer l'hydrodéplaceur. Je crois que ça s'appelle comme ça. Déjà, j'aurais même pas dû faire cette vidéo. Vous auriez... Attends. Oh là, je me suis craqué. Vous auriez dû attendre le retour de mes vacances pour visionner un nouvel épisode. Parce que j'ai tendance... en fait, je me rends compte que j'ai tendance à... Ma langue à fourche souvent quand je dis épisode. Donc c'est vrai qu'il faut bien que j'insiste. C'est bien épisode, hein, je sais très bien. Mais c'est vrai que ma langue à fourche, donc voilà. Épisode et pas épisode, voilà. Donc je disais que... Voilà, donc j'espère que cette petite attention vous plaira. Donc si tout fonctionne, hein, parce que je sais pas encore sûr à 100% que ça fonctionne. Ok, on va récupérer des boulons. Puis après je pense qu'il va falloir que je refasse monter le niveau de l'eau. Ça je m'en rappelle. Ok, ça cette zone là je m'en rappelle, elle m'avait beaucoup marqué. Hein. Je crois qu'elle est plutôt compliquée après. Je crois qu'il y a une sorte de contre la montre. Je me rappelle, c'est vraiment compliqué. Je sais même pas si je trouve, je dis n'importe quoi. Mais je crois pas me tromper cette zone, vraiment... Je crois que je m'en rappelle. Voilà, donc en ce qui concerne la durée de l'épisode, c'est fait. Donc ça ne durera que 15 minutes, donc voilà, je suis désolée. Mais j'ai pas d'autres possibilités pour le rendu en tout cas, pour l'upload. Parce qu'il faut savoir qu'on est mercredi et je pars vendredi. Donc ça vous laisse un petit peu imaginer la marge que j'ai pour upload toutes les vidéos que je vous ai préparées pendant mes vacances. C'est pour ça que je suis désolée, mais j'ai privilégié les vidéos courtes que les vidéos longues. Au moins, vous allez en avoir à peu près environ 2 heures de vidéo pour pendant les vacances. Voilà, donc j'espère quand même que ça va vous plaire, cette petite attention vous plaira. Car c'est vrai que ça me dégoûtait un peu de vous laisser voilà, un mois sans vidéo, 3 semaines sans vidéo. Et voilà, alors voilà, c'est le contre-la-montre qui commence. On va tout de suite prendre les grands ravageurs, c'était pas la bonne solution je pense. Parce que à mon avis ça m'étonnerait pas qu'il y ait des mecs à tuer pendant la course poursuite, enfin pas la course poursuite, la course contre la montre. Ouais, j'ai peut-être pas les tuer, je pense que ça va me faire perdre du temps plus qu'autre chose. On va les éviter, tant pis pour les boulons. Oh non, j'ai pas perdu du temps. Ouais, autant dire que c'est mort quoi. J'ai galère là encore. Allez, dépêche-toi, Ratchet. Ouais, non, c'est mort. J'ai plus qu'à me laisser mourir parce que de toute façon, j'aurais pas le temps. Ouais, non, j'aurais pas le temps. Allez, je vous avais dit hein, que cette zone allait être compliquée. Donc si au cas où que je n'y arrive pas, je pense que je vous ferai une petite coupure montage parce que vous imaginez bien que 15 minutes ça passe très très vite et que par conséquent, vous me voir pendant 3 épisodes galérer à faire cette zone, je pense pas que ça vous plaira.
Surtout que, donc voilà, j'en viens à ce que je voulais vous dire. J'ai reçu beaucoup de commentaires, donc j'ai eu beaucoup de retours sur les épisodes de 4, 5 et 6. Et pas que du bon, là, c'est pas que du positif. Et à la fois, tant mieux. Ça me prouve bien que j'ai des choses à améliorer. Et que, on va dire que j'ai une marge de progression. Ouais, on va éviter d'utiliser les lipac parce que je pense que ça peut perdre du temps. Voilà, c'est déjà mieux. Oui, donc je disais, je pense avoir beaucoup de marge de progression. Parce que, voilà, plusieurs personnes se sont plaintes. Donc déjà, je fais une petite dédicace, si on veut. Un petit clin d'œil à Stormhearth. J'espère que je n'égorge pas trop ton nom, ton pseudo en tout cas. Qui me fait vraiment souvent des critiques. Oh non. Oh, putain, c'est pas possible. Et j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Allez, allez, s'il te plaît, Ratchet. Ouais, je vais me concentrer un peu là pour monter le plus vite possible. Oh, c'est pas possible, j'étais à 2 mètres quoi. Ouais, bon, bah, petite coupure montage là, vous allez voir. Ouais, vous allez voir normalement. Voilà, on se quitte tout de suite, sauf si cette tentative est réussie. Et sinon, bah, on se retrouve pour un. On se retrouve dès que j'aurai réussi cette zone. Voilà, donc on va essayer une dernière fois et puis on se retrouve peut-être après. Allez, concentration, concentration. Pas facile hein, cette zone. Hein. Je crois qu'en plus on est qu'au début. Wow. Bon, pour l'instant, ça on s'en fout. Mais j'ai l'impression qu'il y a une touche boost. Oh là, je me suis craqué. J'ai l'impression qu'il y a une touche boost, mais que je me rappelle plus. Ok, allez, on est parti. En espérant que je me trompe, parce que s'il y a une touche boost, bah. Sachant que j'ai oublié, à mon avis, je suis dans la merde. Bon, allez, là, je pense que c'est bon. Allez. Allez, Ratchet. Allez, Ratchet. Ah, alléluia. Voilà, donc on n'aura même pas eu de coupure au montage. J'ai réussi, enfin. C'était vraiment juste, hein. J'ai vraiment cru que j'allais rater. Donc on continue, hein. Sachant que je pense que je vais faire mon épisode de 45 minutes d'un coup. Mais que je couperai ça tout simplement en... Oh, mais... J'ai sauté, là, pourtant. Ah, oh, putain. Bon, ouais, c'est un peu chiant, là. Donc, je parlais justement de Stormhearth. Franchement, merci à toi de tes critiques. Tu me permets de m'améliorer. Donc, je vais essayer d'y penser à ce que tu m'as dit. Donc, pour information, ce qui m'a fait remarquer. Donc, il y a eu pas mal de trucs. Donc, la première chose qui m'a fait remarquer, c'est que, tout simplement que je parlais un peu trop vite, que je devais articuler pour éviter de dire un peu n'importe quoi ou du moins d'essayer de moins bafouiller. Je pense que si je m'approche du mec, il va y avoir une cinématique. Je vais terminer ce que je veux dire et après on ira voir la cinématique. Oui, donc il m'avait dit, voilà, faut que je m'améliore au niveau de mon élocution, de ma locution, pardon. Donc c'est ce que je vais essayer de faire en essayant d'articuler le plus possible, en parlant le plus doucement et le plus calmement possible. Donc voilà, on va quand même avancer. Puis après, je continuerai. Le capitaine Quark ne veut plus de reporter qui le harcèle dans sa caravane. Oh, en fait, mon ami et moi devons lui parler d'un problème de sécurité galactique. Tu veux dire toi et ta caméra sur patte? Les paparazzi me dégoûtent. Eh, barrez-vous. Mais monsieur, je suis certain que le capitaine Quark comprendra. Non, ne vous fatiguez pas, je sais comment ça marche. Vous me persuadez de vous laisser rentrer, vous prenez une photo du capitaine en caleçon... En caleçon? Puis vous la vendez au tabloïd pour 1 million de boulons! C'est pas du tout ça! Alors que moi, je suis coincé ici pour 6 boulons de l'heure, et je me fais incendier par ce radin de Quark! En clair, vous ne rentrez pas sans que je touche ma com. D'avance. Ok. 4 000 boulons pour voir Quark. Oh putain, c'est cher. On va essayer de faire cette zone-là. Mais donc, je disais. Alors, il m'a aussi dit d'autres choses. La première chose, c'est simplement. Enfin, non, la deuxième chose, c'est au niveau des armes. Il m'a fait remarquer que j'achetais un petit peu n'importe quelle arme. Pas forcément les plus judicieuses. Et alors, voilà, je voulais te tenir de répondre, même si je l'avais déjà répondu par commentaire. Je peux pas ouvrir. Non.
Ok, ça c'est un peu chiant. Je vais récupérer les boulons là-bas. Il m'avait dit oui j'achetais un petit peu n'importe quoi et que du coup bah, je risquais de manquer de boulons pour acheter les armes les plus importantes. Et bah ça c'est vrai que c'est le risque, mais à la fois je pense pas que, enfin, mon but c'est pas de vous proposer une vidéo où je réussis tout parfaitement, où je gère vraiment tous les ennemis avec la même arme, même si elle est puissante. Moi mon but c'est vraiment de vous faire découvrir un petit peu les multiples armes du jeu. Pourquoi je peux pas sauter? Oui, d'accord. Les multiples armes du jeu et puis toutes les utilités. J'ai peut-être pas acheté de munitions parce que ça risquerait de manquer de boulons. Mais on va revenir à cet endroit-là. Hein. Je suis désolé, hein, mais je l'avais déjà fait dans l'épisode 6, mais bon, faut bien que je récupère des boulons. Sachant que dès qu'on en a assez, bah, on va aller directement voir Quark. Et une autre chose qui m'a fait remarquer, c'est que j'avançais pas assez vite, que je galérais trop souvent, et que c'était vraiment pénible. Alors ça, je viens de croire que c'est vrai que voir quelqu'un galérer pendant... encore la preuve en est. Ok, parfait. Je regarde la carte, justement pour pas galérer. Il y a pas 36 000 façons, hein. Faut que j'aille récupérer les 4000 boulons, j'ai pas le choix. Hop là, voilà. Donc on est reparti pour récupérer des boulons, hein. Même si c'est vrai que c'est pas super passionnant vu que c'est une zone que j'ai déjà fait. Donc désolé de galérer, hein, autant, j'essaie vraiment, je vais essayer de progresser. Là c'est vraiment l'épisode où je réponds un peu à tous vos commentaires, donc pas très intéressant. Attends, je vais réussir cette fois-ci, oui. Pas très intéressant au niveau du commentary, parce que surtout qu'en plus je suis obligé de faire la même zone, donc épisode encore chiant, tu vas encore râler, hein. Je suis vraiment désolé, mais à la fois voilà, j'ai pas eu beaucoup de chance, j'ai pas assez de boulons. On va éviter de gaspiller les munitions, on va utiliser la clé pour les petits ennemis. Mais tu as totalement raison, c'est vrai que je galère, et puis toi tu as ton avis, j'ai le mien. Pour moi, enfin, moi ce que je veux vous faire partager c'est vraiment le jeu, c'est vous faire découvrir et pas non plus... C'est vrai que je suis d'accord, faudrait que je galère un peu moins, que j'utilise ma carte, donc ça c'est... Maintenant c'est définitif, j'ai utilisé ma carte, de manière à ce que je sache à chaque fois où c'est qu'il faut que j'aille. Mais après au niveau de... Si j'y arrive pas à certains ennemis, bah... je vais essayer de persévérer, et en coupant toujours au montage... Si jamais je galère trop. On est bientôt à 4000, donc j'espère que ça va aller plutôt vite. Hop là. Donc quand je dis à m'améliorer, donc ça sera vraiment au niveau de mon commentary. Donc j'ai essayé d'être le plus calme, le plus posé possible, vraiment bien articulé, de manière à ce qu'on me comprenne bien. Surtout vers la fin, parce qu'à la fin j'ai tendance un petit peu à dire un peu n'importe quoi au niveau de la fin de mon épisode. Allez, centre-ville, ok. Et c'est vrai que ça peut être gênant si on comprend pas tout ce que je dis. Bon, je pense pas non plus que ça soit vraiment si grave que ça, mais c'est vrai qu'il faut que je fasse attention. Ça c'est sûr et certain. Oui, ouais, y a toujours du people ici. S'il y avait de la vie, ça ferait plaisir. Ouais, c'est bon. Hop, hop, hop. Bon, ouais, c'est bon, avec les boulons que je vais avoir, je pense que ça va être bon. Ah non, toujours pas. 3400, ouais. On va récupérer les caisses qu'il y a là-bas. Sachant qu'avec la mini-car, si je comprends bien, on devrait pouvoir aller vers la droite, je sais pas si... Enfin, vers le haut. Une sorte de chemin pour continuer un petit peu pour rejoindre le point d'interrogation. Donc on va essayer de passer par cet endroit là et puis tant pis pour Quark, on va essayer de passer par la porte, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse en fait. Donc là le monsieur veut nous faire vendre son TELT. Ça va, ouais, faut que je le tue si j'y arrive. Voilà, parfait. Oui, donc c'est bon en fait, on va pouvoir passer par là, donc ça c'est nickel. Par contre, bah, moi je vous dis, prenez soin de vous, ciao à tous, et on se retrouve tout de suite. Donc pour vous, ça sera la semaine prochaine.
pour le prochain épisode. Voilà. Salut à tous.